Messieurs, dames et amis, frères fanatiques, gros bonjour, bonsoir et pour nous toutes, je dis assez. Et lundi 2 septembre 2024, Namikoa, c'est toujours Zamino, serviteur nous, merci Dieu, moi content ensemble avec nous. Moi pour le faire retransmission journal Mega Matin, Mega, c'est Pigou Réseau Radio Haïtien qui est sous la Tébéni, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapiti, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi 2 septembre 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le premier paraître journal Mega Matin pour mois septembre. Nous comptons rentrer la caillou déjà dans vos bon mois d'informations sous antenne Radio Mega. C'est toute équipe là qui va mettre un journal là. Yves la caillou, Marcel Joseph, dans la mise en nom de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévier avec Dadio Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toute équipe là très content ensemble avec vous matin pour porter pour vous journal Mega Matin. Amis auditeurs, mais quelques principales informations n'a gain pour porter pour dans journal la matin question opération la police qui après poursuivre dans Belen Solino avec Badelma week-end sa directeur général PNH Nomil Rameau te visiter policiers cap bataille sous terrain yo pour capable encourager n'a rappelé opération ça rejoindre support force multinationale là non communiqué hier dimanche là mission confirmée y a pas participé dans sa yorelo opération nettoyage dans Solino, Delmac, Belair. Monsieur Kenyan prêt à aller mener opération surtout sous terre, sous la mer Kanlè, pour libérer Routio, pour tout le monde cassé qui est libéré d'après un communiqué. Il y a une plateforme citoyen engagé rappelé KPT à Gary Koni, c'est sécurité, il s'est gros préoccupation citoyen haïtien, tous des branches exécutives là, doivent mettre tête ensemble pour sauver transition ça, selon Valérie Dutroux. Les opérations Anthony Blinken, qui a dû débarquer dans le pays d'Haïti 5 septembre, qui a venu la présidente pendant visite, ça, un jour, secrétaire d'État américain, pour rencontrer le président capitaine Edgar Leblanc, fils, à premier ministre Gary Koni, engagement États-Unis pour supporter bataille contre gang, à quelques autres points, à Namita, discussion, selon information. Gagné la organisation sociopolitique, non conscient, by parti politique, 48 heures pour mettre d'ailleurs conseillers qui impliquaient le scandale à la BNC, selon non conscient, l'IPA normal pour trois messieurs Sayo continuer à passer siéger dans le KPTA pendant Noyo, cité le scandale BNCA. Monsieur le sénateur Jean-Charles Moïse a dit le pape Lague et puis Emmanuel Vertilaire pour un dossier accusation sans preuve. Dossier ça c'est un complot pour déchirer qui voulait camper en face de l'État. Faux déclaration, ancien sénateur Jean-Charles Moïse. L'information a bien pour nous partager ensemble avec vous dans le journal Mega Matin. Jeudi a gagné Gary Koni et critiqué certains ministères de cour MSPP à TPTC qui va respecter ce qu'il est 15 juin 2024 là, qui m'a dit pour chaque ministre une autorisation PM non, pour faire nomination primatiment des ministres finances là, prendre disposition pour corriger dérive ça y est dans le ministère. Gary Koni saute pour changer façon pour nommer un directeur général d'administration publique là, trois noirs proposés pour chaque poste, ça qui qualifié ou abjoint job là. L'autre information l'a gagné pour nous partager ensemble avec vous aujourd'hui à la journal là. Donc, sous initiative construction opposition ICRO, c'est un nouveau projet politique qui a plusieurs scripts qui mettait tête sous pied dans le pays. Mouvement populaire ou la jeunesse, force CIDES, bloc progressiste opposition, c'est parmi trois, parmi eux, en quarantaine mouvements qui ont un projet ça. ICRO proposait une résolution pour mener le pays dans l'autre transition qui a bien en tête li, on juge d'un coup cassation. Il y a un ministère d'éducation nationale à la formation professionnelle qui publie résultat 9e année pour 6 départements. Jusqu'à présent, c'est Nord qui dévoile 90% réussite. D'ailleurs, tout de suite, Vini Nord-Est. Il y a un processus subvention 20 000 gouttes, ministère d'éducation nationale
a pas avancé pour plus passer 100 000 timoun l'école nationale et communale déjà inscrit d'après responsable du ministère éducation nationale. C'est pour ça que diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matière, amis auditeurs, mais pas oublier n'a bien pour nous prendre pour nous capable de traverser avec. On connaît combien de gouttes besoin pour capable de changer dollars américains dans le journal aujourd'hui. N'a bien pour nous porter pour week capsule santé Red Bush n'a donné. Malheureusement, c'est avec information ça, nous avons commencé dans un journal là, question compatriote nous, malheureusement, qui victime République Dominicaine suite à un accident qui fait. Mes amis auditeurs, on a venu avec plus de détails pour dans un journal là. Et j'en ai dit au l'homme, il y a plus passé 10 monde qui mourir, qui ont traité un lot. Souti blessé, non accident qui fait République Dominicaine, non accident circulation qui fait fait la cause 11 monde mouri à 30 ans l'autre souti blessé hier dimanche là dans municipalité la Sieyès République Dominicaine sur l'information yo accident ça produit après un camion qui était rempli avec avocat Boka te frappé yon bar côté te gen plusieurs moun et bilan partiel lan li fait état 11 moun qui mouri puis on 30 l'autre blessé parmi victimes gen un militaire ak un policier nationalité dominicaine selon la presse dominicaine majorité victime aussi un garçon yon jeune fille 20 l'année ak un adolescent 17 l'année parmi blessé aussi selon directeur pour provincial santé Azoa Joel Montano la plupart blessé yo transporté dans San Juan pour qu'on ait à la page aucune information dans ce qui concerne les ressortissants haïtiens qui victimes qui a parmi victimes yo n'a pas quitté dossier ça n'a pas vini là dans pays ak nouvelle yo il y a divers bandits qui tombaient dans l'école dans Delma 24 donc au moins 4 bandits yo même tombé dans le cadre d'échange avec la police nationale d'Haïti dans Delma 24 en après-midi samedi 31 d'août 2024 là donc selon citoyens dans zone Sayo individu Sayo mouri donc dans l'école Paul Locha donc c'est là donc individu Sayo même yo établi quartier général yo donc plusieurs bandits blessés dans échange coup de balle également avec la police selon source donc radiographie ou même yo t'a fait confiance donc y a des policiers kenyans yo na mission multinationale police haïtienne là yo même également yo continué à mener des opérations dans Solino dans Bilair dans Delma 24 et zone qui pas loin yo dans l'idée pour combattre nèg avec zam sa yo qui acheté zone sa yo l'argent comptant et m'a rappelé diverses zones sa on société là c'est fief vivre ensemble Jimmy Chérizier également a pas dirigé. N'a pas toujours été avec question opération autorité policière yo a mené zami auditeur puisque gagné directeur général PNH là qui t'a visité policier yo pour avant yo t'a allé dans opération n'a venu avec oui, rapidement. Plus de détails sur ça, amis auditeurs. Rapidement, il y a un directeur général à IPNH, là, Ramon Omil, lui-même, qui lui-même motivé, policier, qui est engagé dans l'opération policière, il y a Pimenela. Donc, commandant en chef PNH, là, Ramon Omil, réalisé lui-même, là, en séance, parler avec policier Sayo, avant même, yo, aller soulier opération, yo, dans le quartier Bel Air, avec Solino, donc, directeur à IPNH. PNH là. Donc, Rameau Nomil, il profitait pour motiver Troupio pendant saluer courageux, sacrificieux. Donc, un policier Sayo, même qui est engagé dans l'opération intervention policière Sayo, dans l'idée pour capable de continuer à démanteler foyer gagné tout partout dans un pays côté nègre avec Zam. Achetez l'argent comptant. Engagement pour nous résoudre le problème gangue en Haïti à pas agir, à commencer, d'après
après, yon communiqué mission multinationale là, sorti mission à PNH a fait opération nettoyage dans Delma, Bel Air, Solino ak zone qui tout près lio pour rete gang yo et puis rétablir normalité dans zone qui mentionné mission. Vle remercier peuple haïtien ak tout partenaire pour support, continuer la engagement yo, yo montré depuis commencement point principal opération sécurité dans Port-au-Prince. Nous remercier gouvernement États-Unis pour support continuer lien qui répond appel nous pour équipement plus mission recevoir machine avec équipement plus pendant dernière semaine là qui fait opération ensemble entre personnel PNH et mission vin à avancer. Nous voulons répéter opération pour combattre et éliminer activité gang à travers tout Haïti prend forme pendant n'a noté c'est pas un processus à qui on voyage qui besoin tout le monde marcher ensemble. Ça pourra le permettre nous réaliser objectif final en ce qu'on connaît avec vision qui prévoit dans résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies officier nous y aurait été engagé dans mandat yo et puis y aurait respecté professionnellement loi internationale droit monde j'ai mentionné dans politique diligence responsable droit monde ça c'est pour assurer garantie sécurité civile était priorité numéro 1 opération pacification yo pral faite par l'amette ak en lait dans nettoyer principalement route à clari pour permettre mon ak machine si qui les libé ça pral permettre opération sécurisée faite sorti en route sorti dans l'arrière et puis sorti dans caille ak pacaille pas quitter aucun espace pour gang yo opérer. C'est peut-être ça gang yo pas gain des voix pour gang yo gain des voix pour déposer zame et puis remettre au bail gouvernement pour faire face à la loi. Nous continuons à décider pour peuple haïtien, autorité haïtienne avec divers partenaires pour permettre nous rétablir sécurité puis améliorer conditions pour faire élection libre à juste. Mission était solide et complètement engagée dans mandat diligence à Clément mentionné dans résolution 2699 là à travers PNH ça pour assurer yon nouveau Haïti, bon Dieu béni Haïtien yo, bon Dieu béni PNH la, bon Dieu béni mission en Godfrey Otunge, responsable mission, comme en force multinationale la. Donc, voilà, responsable yo annoncé apparemment pralgayen de l'opération sous la mer. Donc, on dit, y a des matériels, y a des garanties, y a des équipements pour ça. Voilà, donc nous connaissons un pile player sous question moyen pour permettre force multinationale avec PNH là. Yo même yo continue avec série opération yo gagné dans pays a n'a pas venu avec communiqué ça Port-au-Prince 30 août 2024 ministère défense et force l'armée d'Haïti a livré informé public en général les postulants yo en particulier donc épreuve intellectuelle pour concours d'admission classe soldat dans FADH là l'a pas déroulé dans collège canado-haïtien donc c'est hier dimanche 1er septembre 2024 là d'après détails responsable au bail est-ce que véritablement donc l'idée où les concernent pas connaît même épreuve intellectuelle yo t'as fait trois tranches aurait ça yo 8h30 10h30 11h1 donc 10h jusqu'à 4h donc postulant ça yo également donc responsable yo t'a demandé pour yo vérifier aurait qui attribué avec yo dans salle classe yo pendant examen ça yo donc l'idée yo impé pour y présenter donc une à l'avance pendant l'heure où gagné pour venir composer d'après groupe yo là d'ailleurs non yo inscrit donc tout le monde qui absent et a pas considéré comme au monde qui désistait définitivement donc postulant ça yo doué gagné non mais yo on fiche d'inscription en plume bleue donc ainsi on carte d'identification avec une photo dans ça c'est ça c'est des détails responsable yo partager sous question examen qui t'est gagné pour des monde qui ont envie venir dans l'armée d'Haïti. On va aller dans la rue avant nous venir avec l'autre information dans le journal les amis auditeurs zone Kafou vers Kafou Douya qui Jean levé pour matin. Bonjour Jean-Michel Josué nous on venir avec Jean-Michel Josué qui pral dit nous est-ce que l'est possible pour capable traverser sans difficulté dans
zone Kafou Vincent, Kafou Douya. Après ça, pour nous capables de venir avec toujours réaction qui a fait sous question insécurité, amis auditeurs. Réaction qui a fait toujours sous question insécurité. N'am gen pour nous venir avec information ça pour vous, puisque gen Jean nous la réaction qui a fait. Nous parlons avec Jean-Michel Josieu qui parle dit nous. Est-ce que le possible pour capable traverser? Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Louis Sévère, bonjour Dalo Daniel, bonjour, bonsoir à tout le monde. Son plaisir pour capable d'informer aux gens au niveau de route nationale numéro 1, précisément comme une cité soleil. Mais faut nous pour matin là déjà gagné circulation qui commence dans la route si là, mais nous avons commencé à traverser ça au niveau de là, sur occasion de déjà remarqué qu'il gagnait quelques citoyens qui ont peut-être traversé à pied, mais pour gagner une camionnette qui répond présent dans la zone aussi là, mais au moment qui était sur traversé pour matin, nous avons personnellement bien pour faire en pile prudence. Vous avez quitté Kazo, vous regardez comment ça arrive au niveau de rue. J'aimais à ras la nerette, la coubette. Même quand on a besoin de s'enlever sans problème, mais on connaît, on gagne pour traverser au niveau de Kafou, j'aime bien bonjour, en pile Marel via Fatra de Sala, la boue captaïba dans la toute zone. Si là, t'as semblé mairie, par exemple, côté de ça, mais on a besoin même qu'il y ait intention pour traverser, on peut faire ça sans problème. Devine, regardez comment ça y est tout au niveau de Kafou, à ras la déjà gagné plusieurs camionnettes qui répondent présent, ou même tout qui t'a remis tes têtes au niveau le centre-ville là-même, qui t'a même mis tête au niveau de toi, mais on a besoin d'une camionnette qui peut aider ou traverser. Vous avez quitté Kafou, alors vous regardez comment ça est au niveau de Kafou, versant sur Kafou, versant le marqué qui l'aide. C'est un problème déjà, il y a une circulation de camionnettes. Dans un instant, déjà remarqué quelques grandes camionnettes qui sont sorties au niveau de 9,4 mètres de tête sur route nationale numéro 1. Et là, il y a quelques grandes citoyens qui campent, captent la camionnette qui peut aider ou traverser. Regardez comment ça est tout au niveau de Kafou Douya, mais sur Kafou Douya qui levé sans problème au matin, malgré Kafou Douya fait noir. Vous l'avez déjà gagné, c'est que la sur Kafou dans la zone, c'est là, quelques grands citoyens qui ont été traversés, ou même qui étaient sur traversés, oui, on peut faire ça. Pour bien pour faire un peu de prudence, on connaît Kafou Douya, cette zone qui est très, très, très sensible. À tout moment, la situation est capable de changer. Donc, après, t'es là, regardez comment ça est tout au niveau de toi, mais précisément devant son appui, mais nous capables de jouer là, déjà, gagner quelques grands machines qui répondent présent pour démarrer avec activité commerciale. Et là, tout déjà, il y a quelques grandes camionnettes, nous remarquons qui est répondre présent, moi qui peux aller au niveau de Kafou de l'aéroport, moi qui peux aller, également, moi qui peux aller gérer la bataille. On a une camionnette qui peut aider traverser. Mais c'est pour ça, ça me fait pour matin lundi de septembre 2024, là, ou même qui est en traversée sur route nationale, là. Numéro 1, oui, on peut faire ça, mais on peut faire un pile, plus de ça. Donc, moi, c'est Jean-Michel Josué. Allez, pas vraiment. C'est pas pour demain. Bonne journée, bonne semaine sur Radio Méga. Merci un pile avec collaborateur nous Jean-Michel Josué qui t'a dit nous qui j'en saillé dans zone côté des passés notamment Kafou Vincent Kafou Douya avec Jean-Michel ou saute gagne tout petit détail dans un journal là. Nous avons poursuivi avec information, j'en ai noté pour mettre tout ça. Nous avons venu avec intervention maître Valérie Dutréja qui parlait sur plusieurs dossiers, notamment question sécuritaire, mais question scandale, corruption, BNC. Mais avant, on est venu avec intervention le fait sous question sécurité. En plateforme citoyen engagé au quoi sécurité, c'est plus gros priorité, premier ministre, l'un pays, premier ministre à Capitaine, de comprendre ça, moment un pas pour parler un pile, selon maître Valérie Dutréja qui exigeait publication à quoi 3 avril pour éviter pouvoir traîner pied, pour faire plus temps sous un pouvoir. Dirigeant politique l'a souhaité un mariage capité avec PM pour aider sauver la transition. Nous invitons au côté maître Valérie Dutréja. Monsieur, à un moment donné, feu et Madbazin, bon moment, il dit que monsieur, le programme politique, je vais payer là. Qui ça qui doit faire? Je lui ai dit agriculture. Je dis, nous avons pris des mots pour nous dire même là. Je dis, plus gros problème, c'est insécurité. Cependant, pour voir que nous avons besoin de signal pour montrer que nous pouvons dire les élections, c'est de bonnes guerres. Comme moi, pas en d'un pouvoir, malgré que nous soyons actifs dans le pouvoir, c'est une carrosse qu'on fait que m'assumer, nous ne pouvons pas stimuler, nous ne pouvons pas plus que pour nous, même les temps de résultats, nous ne pouvons pas les résultats. Donc, nous tirons sur les balles là, pas de temps encore, parce qu'il y a pire dans la demeure,
pour qu'il y ait des actions qui fassent des résultats. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de choses médiatiques, et puis pendant ce temps, la population a coupé dans l'idée, la population n'a pas qu'à vivre sous une jeune population, beaucoup toujours à faire une peur, et la vie désacralisée, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin au moins son organisation qui prend responsabilité, qui va être légalien, et ensuite qui crée des conditions pour qu'on ait des élections libres, honnêtes et publiques. C'est ça que c'est tout. Donc nous insister pour décret 3 à capable plus vite. Parce que l'intervention est contenant et aboutissant. Parce qu'on transition n'est pas interminable. On transition au bon mandat, qui fait ça que la violence là-dedans, comme peuple, et qui a pris de nous. On transition au bon durée, qui n'est pas qu'à 4 ans, pas qu'à 5 ans, pas qu'à 6 ans, c'est pour un mandat élu. On transition, lui, gagner un ensemble de bagages là-dedans. Donc, décret ou agrément de Bailly, ou à pouvoir que dans le décret ou agrément, ça fait une carte de l'avocat public. Décret ou agrément, parler du cadre, parce qu'on n'a pas gagné la République, on n'a pas gagné le contrôle là-dedans. Sinon, c'est désordre de la bagage. Donc, au cadre, là, qui pied, et même des structures qui parlent pour la transition pour qu'elle puisse, qui est capable de faire une balèze, ou au moins une transition qui a réussi. Nous-mêmes, côté nous, c'est que cette transition, c'est pas transition TPT, c'est pas transition économique, galéconique, qui chef de gouvernement, chef de PSPL, c'est transition toute une population qui a pourri, dans nos airs, qui dit que pas capable encore, l'Eltage Biden, il va comme ça vous le fait, nous avons deux doigts pour capable bien suicide collectif. Donc, pour chacun de nos habitants, et nous-mêmes, comme nous-mêmes, dans la démarche financière, c'est pour la démarche de GAEP, n'a assuré et assumé son habité à chaque temps, à chaque moment d'histoire. Man. Que faire dans ce sens? Que faire? D'abord, il faut une synchronisation entre le CPT et la primature. Parce que en termes de planification, comme nous disons, c'est surtout l'habitation publique, gagner l'autre planification pour caborer, je dois besoin de la planification stratégique. C'est-à-dire que c'est nous qui allons aller au CPT et la primature. Il y a la planification de coordination. Et la planification d'opérationnalisation, c'est lui-même qui va avoir le résultat qu'on veut. Donc, si planification par des synchronisations, c'est tiré avec des CPT pour nature, donc c'est sûr que on va gagner un pouvoir qui désarticulé, un pouvoir qui pas synchronisé, et le ça, c'est peut-être qu'à payer pour casser. Comme nous-mêmes, nous, la comme leader émergent, comme leader qui pas traditionnel, qui comprend ça, on a toujours tiré son alarmement, et mon cher, s'il le faut, on a trop battu les réseaux, et on a fait même des alliances. Qui capable de faire des choses bon dramatiques, même avec Lucifer, avec Bimandou, bien sûr, pour nous assurer que ce sera là, nous réussissons à faire des réunions, et si le fond, à bon premier vague qui passe, à bon deuxième vague, mais ça, nous avons fait que la population a vu exactement ça de jeune, en termes de service qui est gagné, et en termes d'élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Plateforme citoyen engagé quoi, son exigence pour capter à quel premier. Pour capter à quel premier ministre Gary Conny, fait lumière sur le dossier scandale BMCA pour sauver transition. Quoi de l'interparle Formelin, Valérie Dutré-Jacques, si lumière parfaite sur le dossier ça, la BTPIA, RETA, ULCC, quoi, travail rapide à dossier ça, selon un responsable là, qui mettait toute option sous table à tout coup, démission, prison et la trier, n'a pas coûté le micro-romanais, ça samedi.